D'abord, nos premiers besoins, c'est les bâtiments. Là où nous sommes, c'est l'école catholique qui nous a passé l'enceinte. Et voilà. Sinon, notre site même, c'est sur le site du groupe A. Le deuxième besoin, c'est les tables bancs. Aujourd'hui, nous avons 242 élèves contre 82 tables bancs. À peu près, ça fait 3 par banc. Mais bizarrement aussi, l'école catholique, le ministère de Jésus nous a envoyé l'autre fois un message qui viendra encore chercher 25 tables bancs. Donc vous voyez déjà que c'est un besoin de notre personne. Je ne sais même plus à quel choix nous voulons. Et je ne sais même pas là où je vais. Qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Pour les donner aux mains, les assis, pour s'asseoir, je ne sais pas. Comme c'est une école publique d'ARP là, et qu'est-ce que l'inspecteur dit quand même? Non, lui aussi se bat quand même pour. Comme l'inspecteur n'a pas l'autorité de construire un bâtiment. On n'a pas les moyens pour construire un bâtiment, on ne peut que taper à la porte des partenaires. Nous le faisons, mais jusqu'alors, nos efforts sont vains. Donc lui aussi nécessite quand même de nous aider dans ce sens-là. Mais ça n'a pas de construire. Et qu'est-ce que vous voulez des partenaires maintenant? Nous voulons voir si nous voulons construire au moins un bâtiment, mais c'est un seul bâtiment. Et nous avons déjà un cycle complet, ça fait 6 classes en réalité. Mais si un partenaire peut nous donner au moins en attendant un bâtiment de 3 classes, on va encore taper à d'autres portes pour voir si on peut trouver l'addition. Donc c'est ce que nous pensons. Et surtout les tables bancs. Pour l'heure, c'est les tables bancs qui est. Puisque nous sommes déjà au moins dans des classes, maintenant c'est les tables bancs qui nous manquent cruellement. Les enseignants volontaires que nous avons à la charge, notre charge ici, les parents aussi ne veulent pas cotiser. Alors que vous savez même qui les ont pris, mais ils ne veulent pas les payer. Et là aussi, les viseurs de par le moment, ils nous menacent de quitter. Parfois, on les prie, on les supplie, on les demande pardon, ils nous laissent avec nous. Mais on ne sait pas encore quel est le sort qui nous réserve. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi.